يا رمضان يا شهر البركات، فيك النعمة يا شهر الطاعات، يا رمضان يا شهر البركات. السلام عليكم mes frères et sœurs. Après avoir exposé les obligations du jeûne dans notre précédente vidéo, nous citerons aujourd'hui, inch'Allah, les choses qui auront le jeûne. Parmi les choses qui auront le jeûne, il y a le fait de se faire vomir en ayant connaissance de l'interdiction, en se rappelant le jeûne et de son propre gré. Cela consiste à se faire vomir volontairement en introduisant son doigt ou quelque chose d'autre dans sa bouche. Cela annule le jeûne même si on n'en avale rien. Il est également obligatoire de s'abstenir d'apostasier. Par conséquent, si quelqu'un apostasie, même si cela ne dure qu'un instant pendant la journée du jeûne, son jeûne est annulé. Je vous rappelle que l'apostasie est ce qui rompt l'islam d'une personne et l'annule. La perte de la raison, ne serait-ce qu'un instant, annule aussi le jeûne. Parmi les choses qui rompent le jeûne, il y a aussi le fait de manger ne serait-ce qu'une simple miette de pain, ainsi que le fait de boire même une petite gorgée d'eau, et ce volontairement. Par conséquent, si quelqu'un mange ou boit en ayant oublié le jeûne, il n'annule pas son jeûne. Également, le fait d'avaler sa propre salive, non mélangée avec autre chose, si elle n'a pas été souillée avec quelque chose d'impur et qu'elle ne s'est pas séparée de la bouche, il n'annule pas son jeûne. De plus, introduire tout ce qui a un volume même petit, par la bouche, le nez, les oreilles ou les orifices inférieurs, c'est-à-dire tous les orifices qui sont naturellement ouverts, annule le jeûne. Nous posterons sur notre page Facebook Rappel des petits musulmans un cours écrit complet contenant toutes les causes d'annulation du jeûne. Que Allah Ta'ala nous accorde un très bon mois de Ramadan. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur le thème du mois béni de Ramadan. Barakallahu fikum, wa salam alaykum. رمضان في رمضان.